Yo les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. On est au local avec les 21 abonnés les plus forts, les plus musclés de ma chaîne YouTube. Mais juste avant de passer au vif du sujet, parlons du sponsor de cette vidéo. Et oui les amis, le sponsor n'est-il autre que Air Up, qui est une gourde unique qui permet d'aromatiser ton eau juste par l'odorat. On va déballer le petit colis tout de suite. Qu'est-ce qu'on a dedans? On va avoir la gourde juste ici, ainsi que les pods, mais on y reviendra juste après. Comme vous le voyez, c'est une toute nouvelle gourde en acier inoxydable argenté. Et l'avantage, c'est que ça permet de garder ton eau au frais pendant 14 heures. Donc pendant tes gros efforts ou tes grosses sessions jeux vidéo, et ben t'es plutôt tranquille. Vous pouvez acheter cette gourde-là 840 ml, ou alors pour ceux qui ont une petite soif, vous avez aussi cette gourde à 480 ml. Pour tous ceux qui veulent commander leur gourde, vous avez jusqu'au 27 novembre les offres Black Friday d'Air Up qui vous permettent d'économiser jusqu'à 40% sur tout le site. Je vous mets tout en description. Comment ça marche, me direz-vous? C'est très simple. Place à démonstration. On va venir dévisser l'embout. On va se mettre à côté d'une source d'eau, de l'eau du robinet, de l'eau pétillante, de l'eau minérale, c'est vraiment ce que vous voulez tant que c'est de l'eau. Pour ma part, je prends l'eau du robinet, moi c'est très bien, je fais toujours ça au local. Jusque là, je pense que tout le monde comprend, là c'est le principe d'une gourde normale, c'est là que Air Up intervient. Alors sachez qu'il y a plus de 30 saveurs différentes. Moi, juste ici, j'ai le Virgin Mojito, la pastèque, la pêche blanche, mais évidemment, vous pourrez trouver la fraise, la pomme, le citron vert, passion, enfin voilà, il y a vraiment de tout pour satisfaire un maximum de personnes. Alors moi là-dedans, je préfère largement la pêche blanche. Je déballe le petit sachet, je vais prendre mon petit pod. Hop, il est juste là. Je prends ma gourde que j'ai au préalable rempli. Je vais venir placer l'embout comme ceci. Évidemment, je l'ai pas dit, mais tous les pods sont recyclés et la gourde est réutilisable. Le pod est poussé jusqu'au fond, le pod est baissé, je vais venir boire. C'est comme si je buvais de l'eau totalement normale. Je vais venir faire ce petit mouvement, relever le pod comme ça. Et là, par contre, quand je vais venir boire, mon cerveau va identifier une odeur dans la bouche et c'est ce qu'on appelle la rétro-olfaction. Et en fait, c'est comme si je buvais une pêche à l'eau, mais sans la pêche. Bref, les amis, je vous ai un petit peu montré comment ça marchait. Si on a qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai de répondre au maximum. Mais là, je pense que j'étais quand même plutôt clair. Pour ceux qui veulent commander votre gourde, vous avez tout en description, moins 15% sur tout le site. Et passons à la suite de la vidéo. Ils vont s'affronter sur ma machine à coups de poing. Les gars, est-ce que vous êtes chauds? Ouais. Il y a quand même du lourd, hein, en termes de muscles. Si je dis pas de bêtises, il y en a qui viennent de la boxe, il y en a qui viennent du MMA, du judo, du rugby. Au niveau des règles, comment ça se passe? C'est simple. Tout le monde passe une fois, les 5 derniers sont éliminés. Il en reste plus que 15 ou 16. Ils repassent tous une fois, les 5 derniers encore sont éliminés, ils repassent tous une fois et ensuite il y en a 4 éliminés et là c'est la finale avec les normalement les 3 premiers. Dobby est là pour noter les scores. On a reset la machine. On avait un record à 962. Donc on va voir s'il va être battu, mais normalement je pense que oui. Que dire de plus, 1000 € pour le gagnant, 0 pour les autres. Donc ne soyez pas deuxième ni dernier quoi. Je suis un peu stressé parce que les gars, j'ai jamais été entouré par des mecs aussi Arrête, je me sens pas en sécurité, j'ai l'impression que je vais m'en prendre une à tout moment. Faut pas faire de vanne. Pas le droit au gant. Vous avez le droit de taper main droite, main gauche selon ce que là vous avez le plus de force. Personne n'a tapé avant. Personne ne s'est échauffé ni rien. Donc si vous voulez faire des au niveau du poignet, des avant-bras ou quoi, parce que là ils sont déjà blessés. Moi les gars, regardez au pied hier. Au lieu de taper dans le ballon, j'ai tapé dans la barre un peu. Je me suis fait un de ces bleus les gars. Attention, hier je me suis niqué le pied. Au niveau de la strat, avec l'expérience qu'on a avec la machine, en fait la pression ça compte beaucoup. Si vous tapez un peu en bas, le score sera pas ouf. On vient taper un peu en haut là. Mais bon, avec vu que des fois vous allez prendre de l'élan, vous avez le droit de prendre de l'élan. Si tu te rates après, tu tapes pas, ça fait un score un peu merdique. Moi les gars, mon record c'était 900 à l'époque. Je vous en mets une petite pour que vous puissiez juger, ok? Je suis pas chaud les gars. L'excuse du mec à chaque fois. Tu vois, ça fait un 850. J'ai entendu pas où. Ah, en fait, il est pas où, c'est à lui la machine. T'es déjà offert moins que toi. Ne faites pas bugger la machine non plus, c'est pas le but. Dobby, c'est toi qui choisis l'ordre. Les mecs, juste une question. S'il y en a plaisir, ils font le top score. Oui, s'il y a des égalités. S'il y a des égalités, bah ils les partagent en retapant. Est-ce que passer premier, c'est une bonne chose? Qui veut passer en premier? Peut-être pas. Je pense que personne ne veut passer premier. Moi, j'ai envie que ça soit le Fab Bis. Il ressemble à toi avec la casquette à l'envers. C'est Fabi 3. Stevie, coach sportif en formation, 1m69 et 83 kilos. Fab, donne-moi de la force. T'as pas un conseil? C'est le meilleur conseil. Bah, tu penses à quelqu'un que t'aimes pas, une prof, je sais pas, une ex. Non, peut-être pas une ex. Ok. 871. Je me suis perforé, je suis content. Deuxième, Dobby. Toi, t'es grand. Tu t'appelles comment? Mathéo. Quand vous êtes grand, vous avez un avantage parce que du coup, la machine, tu peux taper plus facilement. Moi, c'est Mathéo, j'ai 17 ans, je fais 1m90, 90 kg, je fais de la boxe et de la muscu. Tu me demandes quel âge? Non, mais je vois, 20. T'as 17 ans. T'as 17 ans? Attends, mais c'est quoi cette génération? Dommage de Bouzy à 17 ans. T'as vraiment 17 ans? Tu vas à la salle, c'est ça? Bah non, non. Non, mais tu fais du sport à part la salle. Tu fais... Non, je fais que la salle. Ok. Ok, 896. Ça se rapproche très doucement des 900 là. Avec le maillot rose. Bah, moi c'est Théo, j'ai 19 ans, 1m83 pour 85 kg. Et je faisais du kickboxing à haut niveau il y a 2 ans à peu près. Ça va ou quoi? Ça va toi? Ouais, le boss. Toi, t'as fait un peu d'MMA toi? Kickboxing.
belle celle-là. Oh là là, les 900 qui sont tombés. 906, c'est une 966. Ça marche pas pour la plus jolie. D'ailleurs, les gars, celui qui bat le record de la machine d'aujourd'hui là, petite coupe. Allez, voilà. Petite coupe. Steven, fais gaffe à la machine, hein, s'il te plaît. Steven, les gars, youtubeur Stade Rennais. Mets-toi plus au milieu. Non, là, à gauche. Oh, pardon. Un peu moins. Un peu plus à droite, oh, nickel. C'est nickel, bon. Steven, 26 ans, 1m61, 55 kg. Je fais aussi vidéo sur YouTube, donc vlogueur au Stade Rennais, Steven Demicel sur YouTube. Donc voilà, moi je suis là pour le divertissement quoi. Il y a des colosses, voilà, ils sont vachement musclés par rapport à moi. Oh ok, 726. Numéro 4, 4ème. Ouais, ça va, franchement, je suis 4ème, je suis bien. Non, c'est bon, toi t'as l'air chaud à côté de la cam. Regarde-nous, t'as quel âge toi? 17 ans. Et du coup, moi c'est Tricor Hugo, je fais du powerlifting, je fais 1m83 pour 80 kg. C'est quoi du quoi tu fais? Powerlifting, c'est en gros c'est SBD, t'as du squat, du bench, donc développé couché et du deadlift. Et faut faire un total, c'est juste faut faire le plus, soulever plus lourd quoi. Belle celle-là! 893! Elias, pourquoi tu vannes personne? Retenez bien mon numéro parce qu'après sinon ça se mettra plus! Allez, viens, va, j'ai envie qu'il nous régale. Moi c'est Cédric, mon sport c'est tout simplement la musculation, sinon je suis tatoueur, moi ça c'est Gun Tattoo 35. Allez, t'es énervé là! La Rise F2, merde! Ok, 872, 13, ah, même pas, 14. William, non William, t'es numéro 7 William, ok? Bon, salut, moi c'est William, je fais 1m87, un peu plus de 90 kg et puis bon, pas de sport, jamais, ça sert à rien. Wouah! Wouah! 154, j'y attendais pas. Bah là, vous avez eu un technique, tu vois, il prend vraiment de l'élan avec le bras, quoi. C'est vrai que je pensais que t'allais faire 700, genre. T'es chaud? Bah salut, je m'appelle Ibrahim, j'ai 20 ans, je fais 1m85 pour 104 kg. Mes activités sportives, je suis à la salle de sport. 825. Direct ton polo vert. Je dois être honnête avec toi. Ah oui, c'est vrai. C'était vu avec ta prod. Y'a que des tanks là, je peux pas. C'est quelqu'un qui a une grosse tête. Ça, c'est une dédicace à tous mes gars qui peuvent pas mettre casquette parce qu'ils ont trop grosse tête. Du coup, j'ai fait un petit t-shirt pour l'occasion. C'est une petite dédicace. Alors, je m'appelle Enzo, j'ai 22 ans. Je fais 1m84 pour 88 kg. Mais c'est pas le plus important. Le plus important pour moi, c'est la tête. Et c'est pour ça que je vais essayer de les impressionner avec ma grosse tête et de taper dans la machine avec. Donne tout. Oh, il a failli manger la barre. Attends, mais t'as fait 4 sacs de la tête, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est beaucoup de crâne. Régale-nous. Salut, je m'appelle Karl. J'ai 19 ans, je fais 1m80 pour 100 kg. J'adore tout ce qui est sport de force. Je suis actuellement champion de Bretagne de powerlifting. Toi, ça se voit, t'as déjà tapé dans des machines comme ça. Oh, l'élan. Oh, ok, ok. T'es numéro 10. Il a sursauté. Il m'a tapé en plus. J'ai envie de taper le daron, il ressemble à mon père. T'es chaud? Ah non, mais moi, je parie, je joue pas. Moi. Ah si. Non, je joue pas. Tu m'as pas compté. Bonjour, je m'appelle Pascal, 51 ans. Je fais 1m90 pour 115 kg. J'ai pratiqué le football quand j'étais jeune. Bon, j'étais venu là en tant que spectateur et on m'a poussé à participer. Et je suis venu pour emmener mon fils en originaire de Vendée. On a fait 2h30 de route. Waouh, t'as fait 2h30 de route, Pascal, là? Ouais. Eh ben, Pascal, merci d'être passé. Hein. Ah, t'as tapé comme ça, en marteau. C'est le temps de jouer. Oh. Bon, les gars, par ici, là. Léo, vas-y. Oh, Léo. Allez, Léo. Moi, c'est Léo. J'ai 24 ans. Principalement, je vais juste à la salle. Je fais de la musculation. Je suis coiffeur sur Rennes et coiffeur du local. C'est garde l'envie. Vas-y Fab. Fabien, 1m80, 68 kg de muscles, bien sec. Et je suis un monstre. Tous les casser en deux, je pense. En vrai, j'ai peur que tout le monde crée un coup à l'ego. Dans le fond, c'est mon habitude. Ouais, 160, je sais pas ça vaut quoi par rapport aux autres. Ensuite, t'es chaud? Allez, déboîte-moi ça là. T'es numéro 14. Alors voilà, je m'appelle Steven, j'ai 27 ans, j'ai pratiqué pas mal de sports de combat plus jeune. Je fais 1m80, 110 kg. Oh wow. Ah, il a battu le record du local en 6 mois de machine. Ouais, gamin. Je m'appelle Romain Gamin, je suis monteur au local. Mais c'est pas parce que je suis monteur que je suis pas fort. 1m90, 113 kg, je vais les éclater. Je vais y aller mollo. Les gars, ça fait 3 jours il tape pas fort parce qu'il dit ouais, faut que je me prépare là, je suis un peu. Ah, mais là, je le mets maintenant parce que quelqu'un a battu son record, tu vois. 928. Ouais. Gabi. De dire salut ou non? Ouais, vas-y. Salut à tous, moi c'est Gab, j'ai bientôt 40 ans, 113 kg et ancien videur de boîte de nuit. Tatoueur aujourd'hui, rien à voir. Allez, on gagne. Et là, je vais me craquer, j'ai tapé à côté. Oh, il a chargé ça. 905. Il a l'abri, il a l'abri. Numéro 16, regarde. C'est le prochain. Wesh les mecs, c'est Naoxo, stream hacker professionnel. Vous me connaissez peut-être avec les fameux stream hacks de Michou, le Bouzeux. Alors, je fais 71 kg, 1m70 et je vais à la salle depuis 4 mois. Ça charbonne. Bon, de base, je suis dans le stream hack, moi. Taper, c'est pas bon. Naoxo, les gars, attends. Mais Naoxo, les gars, vous savez, c'est le petit flamant rose qui me stream hackait sur Fortnite avec sa pioche et qui était très gentil. Je stream hack à Michou aussi. Ouais, tout le monde. Tout le monde.
Ouais, tu vois quand même. Hein. Ouais. T'es 17. 164, numéro 17. Je m'appelle Paolo, je suis 1m93, 120 kg, je fais du rugby. T'as quel âge toi ? Moi j'ai. Je viens d'avoir 17 ans là. Wow. Ah, j'ai mis ce clic, les gars. T'es le 18. Salut tout le monde, bah moi c'est Dylan, j'ai 21 ans et je fais pas mal de muscu depuis 3 ans. Tu fais combien de kilos toi ? 80 ? 36. Oh, oh, t'as tapé trop, un peu haut. T'as eu mal là ou quoi ? Non, t'as pas eu. T'es le numéro 19. Théo, viens par là. Comme ça. Théo le guerrier, 31 ans, 125 kilos, bodybuilder professionnel et on est là pour en découdre. Il ne peut en rester qu'un. Oh Théo, putain. Faut que je me réveille un peu là. Réveil musculaire là, Théo. 919. T'es chaud ? Toi, t'es combattant MMA, c'est ça ? Non, je suis brésilien. Ah, la honte ! Oh non ! 647. Bah, moi c'est Romain, j'ai 20 ans, je fais de la musculation depuis 3-4 ans et là actuellement je suis qualifié pour les championnats de France de développé couché en moins de 70 kg. Et tu soulèves combien ? 150. Tu soulèves 150 kg ? Ouais, 150 kg. Ah ouais, dinguerie. Boum ! 794. Moi c'est Maïtou, 20 ans, je vois pas grand chose physiquement mais je pense que je vais leur casser la gueule à tous ces mecs qui font un peu trop les mecs avec moi. Je fais 1m76, 60 kg à peu près et voilà. Bah allez Elliot, 23. Allez, ouais. Oh, let's go! Voilà! Oh, let's go! Il bat son record! Avec son corps de lâche, 911, enculé! Les gars, on va en enlever plus! Peut-être 10. Hein. Eh mec, en vrai, c'est long! Aïe, 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 aïe! Il y a des déçus, les gars, il y a des déçus, forcément! Est-ce qu'il est encore là, le 13? Allez! Ok les gars, on va vous annoncer, c'est en mode truc de zinzin, ceux qui passent à la suite quoi. Numéro 2, numéro 3. Bien joué numéro 3, félicitations. Numéro 6. Non. Numéro 16, numéro 19. Bien joué Gabi. Ouais. Numéro 23, c'était Elliot. Et les autres, bon, bah désolé. Eh Elliot, gonfle les mecs, gonfle les mecs. Là ça veut dire que tous les mecs là-bas, je leur casse la gueule. Les gars, vous êtes 13. Il en restera 15. Donc vous êtes 13, il en restera 6 après celle-là. Vous êtes chaud ? Ouais. Allez, c'est parti. Vas-y, attends, en premier. Voilà, moins de spectacle là, faut casser la gueule aux gens donc. Bah il, ça fait 6 mois qu'il tape dedans hein. C'est bien. Oh là 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 là. Là en vrai faut pas 900 rien. Oh, ouais, c'est dur d'avoir la précision et en même temps la force dedans. Il y a le futur éliminé. Elle est belle, Oui. Oh oui. La voilà. Eh hey, voilà, faut les énerver voilà. Les gens. Gabi, vas-y. Mon Gab te foire pas. En plus toi t'es y a la France entière qui te regarde quoi. T'es une énorme tête toi. Ah pardon. Mon Dieu, c'est pas avec ça que je vais taper là. Oh, c'est un truc de la merde, ça! T'as craqué, oh, t'as craqué, oh, bah là, ça va être compliqué. Un deuxième manche, 700 quelque chose. Non, William, oh là là! T'as fait 900 et quoi? Le deuxième! Oh la vache! Vache! Moi, j'ai fait tout à l'heure, mais je pense que ça va passer. 921. Oh la vache! T'as eu mal là, non? Ouais. Oh putain, j'ai ouvert la main! Ouais, mais t'as tapé où? Ouais, j'ai dû taper là. Ok, numéro 8. Ça, pour l'instant, t'as une coupe gratuite. Hein. Vache. Waouh, ouais, régulier. 950. Numéro 9, Théo. Ah, c'est mieux déjà là. Ouais, 927. Vache. 937. Ah, 901. Ah, il m'a tapé. Oh, oh, 921. Ah, merde. Ne regardez pas, les gars, ne regardez pas. Le premier qualifié. C'est le numéro 8, celui qui avait déjà le record. Voilà, bien joué. Dans les 6 derniers. Vas-y, viens de ce côté-là. Ensuite, on a Théo, le guerrier numéro 9. Théo. Après, on a Roro. Après, on a le numéro 6 et le numéro 12 qui ont fait le même score. Et après, on a le numéro 3. Je crois que j'étais le numéro 3. Bon, ils étaient 23. Il n'en reste plus que 6. En fait, le plus dur, c'est de mettre précision et force en même temps. Ils n'ont qu'une tentative. Voilà, il n'y a rien qui est coupé au montage. C'est-à-dire qu'ils n'ont vraiment qu'une seule tentative. Les gars, vous êtes prêts? C'est la demi-finale. Après, il en restera 3 pour déterminer le podium et le regagnant des 1000 balles. Là, tu joues pour la finale. Wow. Wow. Là on commence à parler les gars. 941. Allez bon oui. Ouais, je pense qu'elle est pas mal celle-là. Oh là 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 là. 950. Voilà, ça commence à être dur les gars. Sachant que les gars faut faire un podium là. Et oh, futur éliminé. Et depuis le début il dit futur. Je trouve un peu c'est dingue. Non mais ça l'énerve et du coup il tape plus fort. Ah, ça passe pas ça. Elle est pas mal. Ah ouais mais là il y aura du monde derrière. Là pour l'instant t'es 3ème. Mais sur toi. Numéro 4. Il représente le local.
Je vais arrêter de faire ça. Oh, ça va bien, ça. Oh la vache, bien joué. Là, Théo, ça va être dur. Hein. Ah, c'est chaud. Ça va être dur. Je parle technique, frérot. Voilà. Pas mal. Pas mal, celle-là. Oh là 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 là. Oh là là là. La marge de progression, elle est énorme. Recordman, la coupe gratuite pour l'instant. Oh, il y a un truc à casser là. Ouais, il y a un truc à casser. Il y a un truc à casser là. 148. Attends, la machine. Attends. 1, 2, 3. Ok, c'est bon là. T'as réussi à avoir le podium final. Ok, le premier qualifié avec 957. Oh, deuxième qualifié. Égalité 950. Théo et William. Bien joué les gars. J'avoue qu'il y a un peu de chat parce que bon, c'est sûr. T'as le record de la machine et je pense qu'ils vont pas le battre. Quand même. Aucun répit pour eux, je vais les défoncer. Rude combat, mais on est là, on va tenir jusqu'au bout. Tu vois son corps, tu vois mon corps, je suis devant large. Pour cette finale, on va changer un petit peu les règles. Vous n'aurez pas qu'un seul coup, vous aurez 3 coups chacun. Et on prendra le meilleur. Roro, vas-y. Wow. 935. Ah ouais, elle est belle. 944. Et là, Théo, il faisait semblant depuis tout à l'heure, il va taper pour le vrai. 931. Ah, trop bas. Pour l'instant, William est premier, Roro deuxième, Théo troisième. Deuxième salve. Bon. Ah, c'est un but la préparation. T'as un Roland Garros, c'est que le mec il serve. Ouais, il y a plus un bruit. Oh, les belles. Ah, 913. Allez, défonce-le là. Ouais. Elle est pas mal hein. Oh non. 942. À ce stade-là les gars, il reste une seule salve. William premier, Théo deuxième, Roro troisième. Oh là, t'as pas le choix. 944 à battre. Oh là 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 là. 965. T'as battu ton record du coup. J'ai pas battu le sien là. Là les gars, je vais pas vous mytho, ça va être compliqué. Ah, 945. Théo. Stop. Ah, 954. Oh, putain. Bon, je vais vous annoncer le troisième, la médaille de bronze de cette première édition de l'abonné qui a le plus de force. C'est William. William, bien joué. Merci. Le deuxième, c'est Théo. Bravo. Merci, hein. C'est dommage, t'as pas été très bon. Hein. Et enfin, le grand gagnant, l'heureux gagnant, hein, j'avoue que c'est Romain Gamin, le boss. GG à toi. Merci. Merci. Bien joué à toi. Il y a pas mon nom. Les gars, les coupes, j'ai dit à qui d'aller acheter 4 euros, je crois, 4-5 euros. À Leclerc, mais bien joué. J'avoue que ça me fait un peu chier que ce soit un mec du local qui gagne. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas, jusqu'au 27 novembre, vous avez les offres Black Friday d'Europe qui vous permettent d'économiser jusqu'à 40% sur tout le site. Vous avez tout en description. Bref, je vous aime. Ciao.